François? François, vous dites quelque chose? Je n'ai pas bien compris. L'adorer. L'adorer? Oh, François, où vas-tu chercher tout ça? Mimi. Oh oui, appelle-moi Mimi. Appelle-moi de tous les noms que tu veux. Oh, tu écris une chanson pour moi? Si sol, si sol. Si seul? Pourquoi dis-tu ça, François? Pourquoi dis-tu que tu te sens si seul? Sol, sol, bémol. Oh non! Mathilde, mais qu'avez-vous? Non, pas seul, pas bémol, non! Oh mon Dieu, Mathilde, mais qu'ai-je fait? Oh là là, mais vous faites une allergie au sol bémol, c'est terrible! François... Mathilde, ce n'est pas si grave. Si le sol bémol vous fait si mal, tant pis, je vais le remplacer par un fa dièse. Non, pas Fabienne. Oh François, pourquoi jouez-vous avec moi? Mais Mathilde, je ne joue pas, je compose. Dites-moi pour qui, François? S'il me faut souffrir, je préfère que ce soit le plus tôt possible. Mais ça, c'est de vous torturer, Mathilde. François, avouez. Mais fa dièse, c'est une note de musique. C'est tout? Mais oui, je vous jure. Tenez, regardez. Oh, François, quel grand artiste vous êtes. Oh, votre talent est magnifique. Je sais, Mathilde. J'explore tous les chemins de la création. Et la douleur engendre la création. François. Mathilde. François. Mathilde. François. François. Était-ce pour moi que vous composiez cette chanson? Ah mais, je ne peux pas vous le dire, Mathilde. Pourquoi, François? Eh bien, parce que je n'ai pas encore écrit les paroles. Oh non! Vous n'avez pas encore écrit les paroles de ma chanson? Oh non! Je t'aime, Sylvie. Sylvie? Je t'aime. Sylvie? Je t'aime, je t'aime et je t'aime. Oh, mais ça suffit, Julien, oui. Est-ce que tu peux être mou, alors? C'est parce que je t'aime. Tu m'aimes, tu m'aimes. Et tu sais dire que ça. Pourquoi tu ne composes pas des poèmes comme Monsieur Rambier? Sylvie? Oh, Sylvie, que j'aime. C'est déjà tout un poème. Ben voilà. J'aime bien la rime. Oh ben, de toute façon, je suis sûr qu'il a un dictionnaire de rimes, Monsieur Rambier. Dans ces conditions, c'est facile d'écrire des poèmes. Julien, je t'interdis de dire ça. Monsieur Rambier est un génie. Il n'a pas besoin d'antisèche. Bon, excuse-moi. Si j'ai dit ça, c'est parce que je suis si malheureux. Mon pauvre Julien. Je peux te dire quelque chose, Sylvie? Bah oui, vas-y. Je t'aime. Oh non! Tais-toi, Sylvie. Non. Ça me fait trop mal de devoir souffrir. Pauvre karma en détresse. Sylvie, Julien, mais qu'est-ce qui vous arrive? Merci, Fabienne. Oh, réénergisons-les. Fabienne, Gérard, allez. Louia, alléluia. One, two, three. J'oublie, tu oublies, il et elle oublient. Nous oublions, vous oubliez, il et elles oublient. J'oublierai, tu as le droit de souffrir. Il a le droit de souffrir. Nous avons non, le droit Sylvie. De... Tais-toi. C'est la phrase interdite. Oh, vite. Il faut absolument que j'arrive à sécher mes larmes. Je ne peux pas me présenter devant François comme ça. Oh, mon Dieu. Cette fois-ci, je crois bien que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Oh, c'est terrible.
Je dois ressembler à une serpillère essorée. La vie, l'adorer. Oh non, c'en est trop. Il faut que je sache qui est cet ami adoré. François? Ah, Mathilde. Oh François, je suis désolée. Je n'ai pas frappé, excusez-moi. Ne soyez pas désolée, Mathilde. Ce bureau vous est ouvert jour et nuit. Vous n'avez pas besoin de frapper. Oh François. Oh, Mathilde. Oh François, comme vous êtes beau. Comme vous scintillez. Comme vous rayonnez. Comme vous m'éblouissez. François, vous brillez comme 1000 étoiles. C'est le costume, Mathilde. Tout est dans le costume. Quoique... Non, François, vous êtes beaucoup trop modeste. C'est bien vous. Je sais voir. Vous êtes le soleil au centre de la galaxie. Oh. Mathilde. François. Mathilde. François. Mathilde. François. François. Quoi, Mathilde? C'est pour vous aider à composer votre chanson que vous vous êtes habillée ainsi. On ne peut rien vous cacher, Mathilde. L'acuité de votre esprit n'a d'égal que la douceur de votre corps. Répondez-moi franchement, François. Est-ce que vous avez commencé à écrire les paroles? Malheureusement, non. Mais je vous jure que... Comment pouvez-vous me faire ça? Ça y est. Je sens l'inspiration venir. Mais pour qui? Si c'est comme ça, François, vous pouvez tirer un trait sur nos parties de morpion. Oh non. Pas ça. Je comprends rien. Quoi? Une bombe a explosé dans le bureau de Monsieur Rambier? Il y a un problème avec Mademoiselle Gauthier, c'est ça? Tu veux dire qu'elle est très malheureuse et qu'elle n'arrête pas de pleurer? Et c'est Monsieur Rambier qui lui a fait ça? Pauvre Mademoiselle Gauthier. Comme je la comprends. Je partage sa souffrance. Mais alors? Mais si elle souffre, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et la raison, c'est peut-être que Monsieur Rambier lui a fait du mal. Bon, d'accord. Bah oui, mais pourquoi Monsieur Rambier lui aurait fait du mal? Bon, raisonnons. Raisonnons. Et tu penses qu'il lui a dit qu'il ne l'aimait plus? Mais alors, Fabienne? Mais ça veut dire que j'ai peut-être une chance? Oh, c'est merveilleux, Fabienne. C'est merveilleux. Ah oh, oui, t'as raison, Fabienne. Pauvre Mademoiselle Gauthier. Il faut avoir de la compassion. C'est trop injuste. Pourquoi ne veut-elle plus? Pourquoi? Pourquoi? Tout ça à cause de... Tout ça à cause de... Cette satanée guitare! Je suis un monstre sans cœur. J'ai délaissé Mathilde pour un vulgaire instrument de musique. Il faut que je me fasse pardonner. Oui, je vais lui écrire des paroles sublimes.
Oui, sublime. Foi de Johnny Rambier. C'est trop dur. Mathilde. Entrez. Mathilde, je savais que vous ne resteriez pas insensible à mes appels désespérés. Monsieur Rambier, c'est Sylvie. Ah, Sylvie. C'est vous. Qu'est-ce qui vous amène à une heure aussi tardive? Eh bien, excusez-moi, monsieur Rambier, je n'arrivais pas à dormir. Alors je me promenais dans les couloirs du collège. Et en passant près de votre bureau, j'ai entendu des bruits. Alors je me suis permis de frapper. Je vois. Et vous avez quelque chose de particulier à me dire? Oui. Enfin, non, pas exactement. Oh, mais dites-moi, monsieur Rambier, mais c'est extraordinaire! Vous scintillez comme 1000 étoiles au firmament. C'est le costume. Tout est dans le costume. Oh non, monsieur Rambier. Vous êtes trop modeste. Je sais voir, moi. Vous êtes comme un soleil qui brille au milieu d'une galaxie. Tiens, c'est curieux. J'ai déjà entendu ça. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Rambier? Non, non. Rien, ma petite Sylvie, rien. Rien. Mais dites-moi, Sylvie, je peux vous demander de faire quelque chose pour moi? Pour vous, monsieur Rambier? Oh, mais oui! Oui, mais est-ce que vous serez aussi bien? Aussi bien que mademoiselle Gauthier? Oh oui, monsieur Rambier, et même mieux que mademoiselle Gauthier. Mieux que mademoiselle Gauthier? Vous croyez? Essayez, monsieur Rambier. Bon, après tout, on peut toujours essayer. C'est vrai. Vous savez. Bonjour. Oh, vous êtes drôlement matinale ce matin. Bonjour, Gaston. Excusez-moi, je ne vous avais pas remarqué. Oh, vous excusez pas. J'ai l'habitude. On ne me remarque jamais. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui prépare à manger, hein. Sinon, vous vous laisseriez tous mourir de faim. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants, Gaston. Dites-moi, est-ce que je peux encore solliciter votre compassion? J'aurais besoin d'un petit extra aujourd'hui. Allez-y, demandez-moi ce que vous voulez, mademoiselle Gauthier. Je voudrais des oignons. Des oignons? Oui, des oignons. Pourquoi faire? Je ne peux pas vous le dire, Gaston. C'est un secret. Oui, c'est ça. Si vous permettez, vous pleurez déjà assez comme ça, hein. Oh, je sais. Mais j'ai un très grave problème. Et je ne veux pas que les élèves le sachent. Alors, il me faut des oignons. Pour faire croire que vous pleurez à cause des oignons. C'est ça, n'est-ce pas, mademoiselle Gauthier? Oh, Gaston. Mathilde. Gaston. Mathilde. Gaston. Mathilde. Bon. Bon, c'est vous le chef, hein. Voulez-vous pour quand? Tout de suite. Ah, bien. J'y vais. Tiens, c'est bizarre. J'étais justement en train de penser qu'il fallait que je remplisse ces carafes. J'ai dû le faire sans m'en rendre compte. On fait tous des choses sans en rendre compte. Oui, enfin, tenez, voilà vos oignons. Vous n'avez pas compris. Il m'en faut beaucoup plus. J'en voudrais un sac entier. Oh, je vous en prie, s'il vous plaît. Bon. J'y cours. Attendez, Gaston.
Des éponges aussi. Des éponges, mademoiselle Gauthier? Oui. Combien? 25. Dis, Jérémy, je m'inquiète. Sylvie est toujours pas là. Et elle n'était pas non plus à la cafette pour le petit déjeuner. Vous dites, à propos de nourriture terrestre, vous n'avez pas trouvé que l'eau ce matin, elle avait un petit goût triste? Tiens, c'est drôle que tu dises ça. L'eau triste, c'est exactement ce que j'ai pensé. Par contre, moi, je l'ai trouvée délicieuse. Oh, c'est bon. L'eau triste. J'en ai même bu deux carafes pleines. Fabienne, tu sais où est Sylvie? Elle dort. Mais mon Dieu, elle est malade. Quoi? C'est grave? Oh non, tu me caches quelque chose. Mais qu'est-ce qu'elle fait, mademoiselle Gauthier? Pourquoi elle n'arrive pas? Eh ben, qu'est-ce qui te prend, Fabienne? Tu sais quelque chose pour mademoiselle Gauthier? Fabienne, dis-le. Oh, Sylvie, tu es là. Oh, Dieu merci. J'ai eu tellement peur. Hey, Sylvie, c'est moi, Julien, tu m'entends? Quoi? Hein? Sylvie voyage sur des courants karmiques bien trop intenses. On dirait même qu'elle a pris un billet de première classe, hein? Oh, Sylvie. C'est nous, tes amis du collège des cœurs brisés. Tu vas mieux? Oui, merci. Très bien. Tellement bien. Oh mon Dieu, il faut faire quelque chose. C'est métaphysiquement grave. Monsieur Rambier, Monsieur Rambier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La plus belle chose de ma vie. Mais dis-moi, quelle chose? J'ai passé toute la nuit avec Monsieur Rambier. Toute la nuit? Oh non. Monsieur Rambier. Monsieur Rambier. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Plus d'une demi-heure de retard. Oh, mademoiselle Gauthier, comme tu me fais souffrir. Enfin. Asseyez-vous. Mais qu'est-ce que c'est tout ça? On dirait de modestes oignons et quelques éponges multicolores. Laissez-moi vous aider, mademoiselle Gauthier. Merci, mon petit Gérard. C'est très gentil à vous. Mais je suis votre esclave, mademoiselle Gauthier. Oh, pauvre mademoiselle Gauthier. Mais vous pleurez, mademoiselle Gauthier. Oh non. Enfin, oui. À cause de ces oignons. Ces oignons? Mais pourquoi faire? Retournez vous asseoir, mon petit Gérard. J'espère que vous n'aviez pas oublié que vous y aviez travaux pratiques de chagrin d'amour aujourd'hui. Eh bien, voilà pourquoi j'ai amené ces oignons. Pour vous insensibiliser aux larmes, aux mots tendres et à la douleur qu'il provoque. Vous comprenez? Mais alors, pourquoi vous pleurez, vous? Parce que j'ai travaillé toute la nuit. Oh, quelle nuit! Ah, c'est bon, ça. Je sens que ça vient. François? François, je vous dérange? Oh, François. Vous avez osé? Mais avec qui?
C'est idiot, mais je crois que j'ai pleuré. Oh, vite. Je mets cet oignon. Je me dis que si je pleure, c'est à cause de l'oignon. Oh, quelle est belle cette chanson que j'ai fait pour toi. Votre chanson, François? Pour moi? Ai-je bien entendu? Oh. Ah, Mathilde, vous êtes là? Oh, mais vous pleurez. C'est merveilleux. François, je pleure, mais à cause de l'oignon. Oh, pleurez, Mathilde. Pleurez encore. Dans l'union de nos larmes, nous scellerons notre amour et votre chanson. Notre amour, François? Ma chanson? Oh, François! Mathilde! François! Mathilde! François! Mathilde! Oh, mais Mathilde, vous ne pleurez plus? Vous n'aimez pas la chanson que j'ai composée? Oh oui, François. J'aime votre chanson, je l'adore. Eh ben alors, pleurez, Mathilde, pleurez. Je ne peux pas, François. Je n'ai plus d'oignon. Un, un, un.